Cœur de rocker? Je vais appeler ça cœur de rabat. Tous tes chats ont bondi, c'est-tu. De manière, ils m'ont invité à soir, alors... Revenons à nos moutons. Patrick Normand. Non, Patrick, ça fait longtemps que je le connais. Pat, quand je l'ai connu, il était même pas encore curlé. Dans ce temps-là, j'ai offert cette merveilleuse chanson, c'était quoi, donc? Le monde est stone, tu sais. Mais ils savaient pas c'était quoi ça voulait dire, stone, ça fait que... fallait que j'en prenne un autre, tu sais. Pat, il a toujours été resté près de ses origines, tu sais. C'est un gars qui respire la santé, puis transpire le country, tu sais. Ça fait longtemps qu'il suit le plancher des vaches, lui, hein. Mais le foin, il a reconnu ça juste avec ses hits, hein. Parce que des hits, il y en a fait, hein. Quand on est en amour... quand on est en amour, ne laisse pas passer la chance d'être unique, hein? Non, non, mais il a aussi fait d'autres choses aussi. Hein? Il était co-animateur, là, avec René Martel dans une émission, Patrick et René, hein? D'ailleurs, c'était vraiment à ce moment-là notre Kenny Roger. Faut dire que René Martel, c'est pas Dolly Parton. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Aux États, tout est plus gros, hein? Daniel Lavoie, il en sait quelque chose des États. Il en rêve, hein? Je voudrais voir New York. Je n'ai jamais vu Rio. Je n'ai jamais vu Bali. On dirait que c'est une annonce pour un club mad, ça. Non, mais dans le fond, New York, ça manque d'exotisme, hein? À moins de s'appeler Daniel Lavoine et venir du Manitoba, tu sais. Je n'ai jamais vu New York. Je voudrais voir la mer. Coudon, ils veulent tous s'exiler? Il y a à peu près juste Marjo qui est bien enracinée ici, hein? Elle chante les oiseaux de la terre, les chats sauvages. Mais les chats sauvages, c'est notre héritage, hein? Ça commençait avec l'oiseau du petit Simard, après ça, le phoque en Alaska, la colombe de Céline, les chats sauvages. Coudon, à quand la catégorie Pet Shop? Faudrait proposer ça au festival de la chanson de Granby, hein? Un vrai jousse. Et Marjo, elle, c'est une fille, hein, qui n'a pas la langue dans sa poche, hein? De toute façon, qu'est-ce qu'elle ferait là, tu sais? À part ça, la langue, c'est une affaire, mais les cheveux, qu'est-ce que t'as fait? Attention, tu sais. Des fois, une carrière, ça repose pas grand-chose. Regarde Angela Sonneau. Pense à ce qui pourrait arriver à Marie-Denise Pelletier, hein? En tout cas, moi, je... Ils se sont coupés les cheveux, ils ont poussé, je suis bien content. Alors donc, le gagnant, la gagnante, ce soir, ça sera pas long, ça va voir, chanson québécoise, quand on est en amour, Patrick Normand! Merci beaucoup. J'en connais un qui va être content, c'est Robert Lorrain. Ah, Bob, c'est à toi celui-là aussi. Salut, merci.